Voisin de Rouillé de bonjour et bienvenue sur la DevBlog 179 en Belge. Cette semaine, il y avait de gros teasings. Nous allons voir ensemble si leurs rumeurs disaient vrai. Craft. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu espérer revoir cela un jour dans Rust, prévu normalement pour la mise à jour forcée du 5 octobre. Vous commencerez tout nu avec votre pierre et votre torche, et vous ne pourrez créer que le feu de camp. Et la lance, tout le reste sera verrouillé. Première possibilité par le biais de la table de recherche avec un nouveau système, avoir suffisamment de ferraille sur soi, plus un composant, et vous repartez avec deux composants. Fini le pourcentage de réussite, les composants à un coût déterminé à l'avance. Deuxième façon de voir les choses, des plans seraient disponibles dans les distributeurs, et je mets cette info entre parenthèses car cette possibilité est en test et non confirmée par les développeurs. Maintenant que vous avez des composants, des plans et du farm, il vous faudra un workbench pour y créer vos objets, ce qui rend le travail difficile, d'autant plus qu'il y aura 3 levels de workbench et qu'il est impossible de crafter un objet de level 2 si le level n'est pas atteint en ayant créé auparavant un objet de level 1 associé à la même catégorie. Mais tout cela est un peu confus pour moi et pour les développeurs apparemment. Il se peut donc que la moitié de ce que je viens de dire change d'ici la semaine prochaine, mais très clairement le concept sent très bon, on passe à la suite. Base, le truc le plus chiant au monde, placer une étagère après avoir fait ses coffres. Regardez-moi ça, on peut placer une armoire après avoir construit ses coffres. Bon, j'ai testé, il faut un peu chipoter, mais ça fonctionne. Tant qu'on reste dans la base, les fours coûteront aussi 100 unités de bois en moins. Berline. La berline est maintenant équipée de phares pour vos patrouilles de nuit et également les feux de stop. Le système de collision est en travaux et je rappelle que ce petit bijou n'est dispo que pour les admins pour le moment. Je suis la carte. Déjà annoncé sur le teaser, plus besoin de crafter la carte et prendre un emplacement dans votre inventaire, elle est disponible par défaut. Il vous suffit d'appuyer sur la touche G, mais petit bémol, on ne sait pas écrire dessus pour le moment. Raid. Échelle et paille, fini de passer les murs d'enceinte qui coûtent 1500 de pierre à coup de structure en paille. Vous ne pouvez plus créer que des fondations en paille et des plafonds en paille contre les fondations d'une maison qui ne vous appartient pas. Vous devrez donc combiner échelle et structure en paille pour y arriver, et vous pouvez bien sûr toujours poser les échelles sur les murailles. Barbecue. Et barbecue est en labo pour la modélisation finale, sans doute une combinaison de tous ces work art. Impatient de voir ça la semaine prochaine pour se faire une petite fête dans mon jardin. Viande crue et pourriture. Astucieux, cette mise à jour des viandes crues et viandes pourries. Lorsque vous les récoltez, elles ne viendront plus vous gêner dans votre inventaire rapide, mais iront directement dans votre sac à dos. Biome. Le travail sur l'amélioration des biomes avance. Malheureusement, pas de nouveaux icebergs pour la semaine prochaine, mais bien les lacs gelés. En vrac. J'ai mis les PNJ dans la section en vrac car toujours la même chose. Problème de navigation hors du circuit de base qui semble compliquer la finalisation du projet. Je ferme ce sujet tant que nous n'avons rien de concret. Bug main. Le bug de position de main a été corrigé pour que le pouce ne flotte plus autour de l'arme. Regardez, incroyable, tout est dans le cercle. Vous pouvez maintenant construire une grille au-dessus des fours en attendant les barbecues. Attention, c'est chaud. Le bug des flammes invisibles qui vous empêchait de ramasser le loot sur les hélicoptères, Bradley et ainsi de suite a été débugué. Maintenant, il faudra de toute façon attendre que le feu s'éteigne, mais vous le voyez et vous ne vous brûlerez plus sans le savoir. Un petit bug du launcher empêchait certaines mises à jour pour une minorité de joueurs. C'est également corrigé. Amis de Rouillé d'eau, laissez un petit commentaire. Inscrivez-vous via la petite tête de Monsieur Alixius en haut à gauche pour ne rien manquer. C'était Monsieur Alixius et comme on dit chez nous, arrête de perdre les et viens sur notre serveur. Ciao!